je m'appelle Thomas Loubersan. Personnellement, je suis un grappleur à un niveau international. Et par rapport à Karl, je suis un de ses coachs dans le camp d'entraînement pour le combat contre Abdul Owares. Je le connais depuis plusieurs années, 5-6 années. Je lui avais déjà donné la ceinture marron à l'époque, en lutte à livrer. Et là, sur le camp d'entraînement, ça fait 3 mois vraiment qu'on est ensemble. Et là, on est à quelques dizaines de minutes peut-être du combat. Comment tu penses qu'il va se dérouler ? Je pense pas qu'il va se finir. Je pense qu'il va se terminer avant la décision. Je pense que c'est deux très grands combattants. Je ne sous-estime vraiment pas du tout Abdul. C'est un très grand combattant que je respecte à la hauteur de son niveau. Et Karl Amoussou, aujourd'hui, est dans la plus grande forme peut-être de sa carrière. Ce qui peut être ingrat, c'est que tellement c'est pour moi 50-50, ça peut se finir peut-être très vite. Mais le très vite ne va peut-être pas refléter justement l'autre, il n'est pas bon. Non, justement, comme c'est deux très grands combattants, ça peut se terminer très vite. Je m'appelle Beto Ramos, je suis brésilien, je suis installé à Nantes, va faire 8 ans. Je suis le coach d'Abdul, coach du juste brésilien, coach de MMA. Depuis le départ qu'il a commencé sa carrière en MMA, on est ensemble 7-8 ans quoi. C'est un combat qui est très attendu, c'est peut-être le plus gros combat de l'histoire du MMA en France. Comment vous êtes préparé pour cet événement qui est vraiment très spécial pour le MMA en France ? Comme d'habitude quoi, hein, en travaillant ses qualités, en respectant aussi la qualité de l'adversaire, en cherchant ses erreurs de l'adversaire. Mais on n'a pas trop changé notre préparation quoi. On continue avec la même préparation quoi. Juste en respectant les qualités de l'adversaire quoi, pour travailler les contres de l'adversaire. Moi je sens Abdul très bien, ça sera une grande guerre, ça sera une guerre. Mais ça va finir avec la finalisation. Vas-y, rentre un peu loin. Là, lui va se tendre. Quand il se tend, tu l'effaces, comme on a vu. Ouais. Efface-le, donc vers l'intérieur. Ah, c'est ça. C'est sa puissance à lui qui va le faire tomber. Hein? C'est sa puissance à lui qui va l'amener au sol. C'est pas lui. Lui, c'est un mec qui se prend, c'est un mec qui défend sur la force en lutte. Et pas sur la technique. C'est pas ses formes de corps. Ah, magnifique. Il va pas bouger, il faut faire mal lui. Méchant. Exactement. Pour le forcer à exploser, il n'a pas beaucoup de cartouches. Je te l'ai dit, il ne pourrait plus répondre contre Ben Askren. Si tu fais comme il te dit méchant, alors, il va le paniquer, il ne pourra pas faire ça. Tu seras plus lourd, hein. Tu seras plus lourd que lui. Hein. Quand tu vas le rouler, il va le sentir. Il est à 86. 86, 7.
Ah oui, non. Il est à 78, 79, alors là, depuis que j'ai fait 4 combats, il est à je sais pas combien. Let's go!
va faire. Une minute 20, Abdoul. Il reste une minute 20. Une minute. C'est ça. C'est ça, Abdoul. Allez. Ce soir, plutôt, tu viens de défendre ton titre contre Carla Mousseau. Déjà, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ta performance ? Je pense qu'elle était bien, mais il faut encore travailler parce que moi-même, j'ai vu qu'il y a des failles à corriger encore pour moi, donc on va travailler. Alors, tu as gagné à la toute fin du premier round avec un grounded pound absolument incroyable. Est-ce que c'était le game plan ? Comme j'ai toujours dit, mon game plan, il n'y a pas vraiment un game plan spécifique. Le game plan est simple, rentrer, toucher sans se faire toucher et finir le combat comme on peut. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui t'attendent à l'UFC Paris le 3 septembre. Est-ce qu'il y a une chance qu'on t'y voit ? Il y a toujours une chance. Donc nous, on va s'entraîner et attendre l'appel. Donc maintenant, il faut juste attendre et regarder ce qu'il y a. Et donc à la fin de ton combat, tu allais remercier ton adversaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, parce que c'est très important le respect dans ce combat. Parce que c'est un sport très difficile, très dur, psychologiquement et mentalement et physiquement. Donc quand quelqu'un rentre et est là pour vraiment combattre, je remercie ça parce qu'il y en a, ils rentrent mais ils fuient le combat. Donc c'est pour ça que je remercie parce que moi j'aime bien le combat et voilà, c'est bien. Ouais, tu peux tenir ça. Ah, je rigole. Purée, mais c'est insane. Why. C'est lourd, hein. C'est le poids de l'or, ça. C'est moi la championne. Il y a Difficilement, nom de famille, un peu compliqué leur programme. Là, entre le G et le U, comment ça fait J, tu vois. En fait, le majuscule. Parce que lui, il fallait que combattre pour les armes. C'est clair. C'est là la vie game, hein. C'est comme ça. Hein? Bien sûr. Ouais. Si je t'aime, je serai là. Ouais, moi aussi. Allez. Non, c'était un mot, t'as fait le taf. Je suis prêt à tout, tu vois. Ça peut être moins KO, là. Ah oui, bien sûr, t'as fait le taf. C'est possible. T'as fait le taf, on s'était préparé pour. C'est comme ça. Ah ouais. On se fâche pas. Mais non, mais mec, c'est le sport, hein. Bon, toi, t'as gagné le bonus. Hein. Ah ouais, fight. Quel Aggressive fight. Ouais, bah c'est beau gosse, les gars. 10 000. Merci à vous. Oh, c'est beau gosse, ça fait plaisir les bonus. Hein. Maintenant, encore un, ce serait bien.
Je vous connais. Ah oui, mais c'est lui, il n'y a pas de temps. Bon, vous allez bien? Vous savez, vous êtes obligé de me revoir, même si vous ne voulez pas. Tout va bien. Pour, oui. Par contre, vous n'avez pas le même super polo qu'hier. Ah, ça, d'accord. Je vais tout s'habiller tout à l'heure, après la bière. Ça va? Ouais, sérieusement, ça a été. Pas eu de traumatisme, évident. Non, non, rien. Heureusement, là. Je crois qu'il est fini. Bon, je vous laisse tranquille. Et c'est Lazy King, je vous remercie, ça c'est la fin de la soirée du combat du Fight Week et du Training Camp. Ça se finit bien pour nous et on est content, bien sûr, on remercie tout le monde qui nous a suivis, qui nous ont supportés. C'est un plaisir et maintenant on attend la prochaine aventure et on est excité de savoir comment ça va se passer, le futur. Merci.